Ça se prononce self-fine, bande d'enculés. C'est parti pour une nouvelle anecdote à ton ennui. Je trouverai l'antidote de l'aura. Débrouille-vous, et puis sans vie, on s'en fout. Anecdote. Ça fait peur. Attention, celle-là elle est courte. J'ai autorisé un mec à faire sa promo sur une de mes vidéos. Jusque-là, tout va bien. Et le lendemain, je reçois de la part de Mion, donc c'est un autre mec en fait, qui n'a rien à voir avec cette histoire, une dédicace du mec qui était passé dans ma vidéo. Donc là, je me dis génial, absolument incroyable, j'adore vraiment les pains. Donc je vais pour regarder la dédicace, mais avant, je remarque son nombre d'abonnés. Et what the fuck is going on? Il était à 66 abonnés le machin, et en un jour, il a dépassé les 100 au KLM. Alors d'un côté, j'étais ultra fier de cette action sociale. Je me suis senti un peu comme une étoile éclairant la destinée d'un jeune garçon. Mais d'un autre côté, j'étais vachement deg en fait. Ça m'arrive jamais ce genre de truc. Genre ils foutent quoi les autres? Personne ne fait de feat avec moi en fait. Winty, Ayumi, need you please. Vous croyez que je peux me promouvoir moi-même? Oui alors moi c'est Selfine. Attends, faut que je le fasse beaucoup mieux que ça. Faut que je le fasse beaucoup mieux que ça. Vous savez comment on fait une pétasse? Oui alors moi c'est Selfine. J'ai 17 ans et puis... je fais des vidéos YouTube. Alors si toi aussi tu veux t'abonner à moi, n'hésite surtout pas et rejoins ma chaîne. Tu auras plein de vidéos make-up. Enfin en vrai, une chaîne make-up VRChat et une chaîne création de pièces d'avion en 3D, il y aurait aucune différence. J'ai trouvé comment on fait une pétasse. PS, j'ai des arguments. Bon du coup, je regarde la dédicace en question et là... Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour faire une énorme dédicace à un gars. C'est une grosse dédicace à Self One. Donc, Self One. Hello darkness, my old friend. Tous ceux qui sont venus sur ma chaîne YouTube grâce à Self One. I've come to talk with you again. Alors, il y a un problème dans l'écosystème en fait. Vous vous rendez compte qu'aucun anglais n'a réussi à le prononcer mal, et là, il y a 90% des français qui arrivent à totalement le déformer. En plus, c'est pas comme si, quand tu venais sur ma chaîne, tu te faisais agresser par un gros Selfine bien vénère qui t'explose les deux tympans, comme on regarde Obuchan exploser des pastèques sur la plage. J'ai le droit à Selfine, Stéphane, et maintenant Selfone. Et c'est quoi le prochain? Répondez pas à cette question, s'il vous plaît. En vrai, je suis quand même content de ça, parce que je me dis que de son côté, ça doit être vachement enrichissant en fait. Parce que pour lui, nous on a 10 fois plus d'abonnés que lui, facile. Du coup, de son point de vue, c'est comme si tu venais de faire un feat avec Squeezie ou Cyprien. Moi, si je voulais miser 10 fois plus haut que mes abonnés, faudrait que j'aille voir des gens comme le Watcher. Ça donnerait quoi un feat avec un mec qui se reprend une idole et qui atteint des octaves inimaginablement cringe? Ça va quoi une expression ça? Et qui passe son temps à faire de l'ironie sur tout ce qu'il voit, avec un mec qui râle presque sur tout ce qu'il voit et qui fait preuve de beaucoup de sarcasme. Ça donnerait le genre de vidéo où faut mettre un filtre anti-ironie pour comprendre le moindre mot. Tout ça pour dire, faites un feat s'il vous plaît.